Yo les guys, c'est le fucking Joe qui vous parle. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 5 de la carrière avec Arsenal les gars. Donc on reste toujours dans les mêmes bases hein, après cet épisode failesque si je puis dire ça comme ça. Donc on était premier avec 7 journées, 6 victoires, 1 nul, 19 points, ce qui est vraiment pas dégueu. On allait enchaîner un match contre Manchester United, mon équipe de cœur embarque les premières ligues. L'avouer que Ramsey est très bien placé au niveau classement des buteurs, malgré qu'il soit milieu central. Et donc là c'est parti face à Manchester United, la compo n'a pas changé sauf que Walcott est à droite, Griezmann à gauche et Müller en BU, tout simplement parce que Sanchez est blessé. Et donc là ça part directement au Matteo Darmian qui la met pour je crois Wayne Rooney qui frappe et c'est détourné par Petrosic de la meilleure des façons à la 26ème minute de jeu. Ensuite Thomas Müller qui la balance pour Theo Walcott qui se présente ici, qui va essayer de crocheter le défenseur qui va le mettre pour Thomas Müller. La frappe de Thomas Müller et c'est bien arrêté par son gardien. Derrière, Jack Wilshere va essayer de temporiser, mais malheureusement, il va perdre le ballon à la 60e minute de jeu et la 83e déjà. Jack Wilshere, la feinte, il revient derrière, il la remet pour Thomas Müller. Et là, Thomas Müller, le grand pont, la frappe et c'est poteau rentrant. Et là, on voit que les 80 millions posés sur Thomas Müller sont présents parce qu'il a fait la différence tout seul. Il a mis un grand pont magistral et ce but là est magistral les gars, regardez-moi ça, regardez bien ça sur le ralenti. La passe elle est belle, là le grand pont magnifique, la frappe après elle est ultra précise, poteau rentrant, vraiment imparable. Et donc on s'impose 1-0 contre Manchester United en champion les gars, je vous le dis maintenant, tous les gros matchs contre le top 5 anglais seront en champion. Là, je fais un petit entraînement, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, avec le petit Antoine Griezmann, etc. Là, je vous montre, hein, si vous avez voulu que je vous montre quelques entraînements. Alors moi, je les fais tous, ces entraînements, les gars. Le truc, c'est que je vous les montre pas tous. Je vous en montrerai un par épisode, voilà, histoire de. Donc voilà, petite victoire 1-0 face à Manchester United. N'hésitez pas à mettre un petit like, hein, je le dis comme ça, juste avant que cet entraînement se termine. Posez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, on a gagné 1-0 sans réellement convaincre, mais avec un très très grand Thomas Müller qui commence un peu à se réveiller. Et donc là, Watford, c'est parti directement, on joue chez eux, donc on va espérer une victoire. Là, comme je vous le dis, c'est en pro, vu que Watford n'est pas une équipe du top 5 anglais. Et donc on va bien voir ce que ça donne avec Aaron Ramsey directement à la manœuvre, qui est vraiment le métronome de cette équipe. Donc là c'est parti directement à la 50e minute de jeu, c'est sur la tête sur un corner et c'est bien détourné par Petrosic qui est encore présent. Et là je vous ai bien laissé tous les arrêts de Petrosic parce qu'il y en a énormément. Et là c'est Santi Cazorla qui avec un scoop turn vient se repositionner là, la fin, double feinte, tir et peut-être but et non, poteau les gars. Donc voilà toujours 0-0 à la 58e minute de jeu, Santi Cazorla qui trouve pas la feinte et là c'est Alexis Sanchez lancé. Et là vous le savez je suis une salope, j'essaye de rentrer dans la surface pour essayer de crocheter. Je le fais très bien et là penalty, c'est ce que j'avais cherché à rentrer dans la surface et à essayer de faire un petit dribble pour provoquer le penalty. Là Sanchez qui va s'en charger, j'ai fait tirer Toto Müller parce qu'il a quand même 90 en penalty. Voilà donc avec lui c'est forcément dedans, en tout cas je l'espère. Il va tirer en haut à gauche et ça va être but. De toute façon rater avec Thomas Müller, faut quand même être sacrément nul pour pouvoir rater avec lui vu les stats qu'il a. Donc voilà 60e minute de jeu. On mène donc 1-0 face à Watford. C'est vrai que c'était un match où on n'avait pas 36 occasions et j'ai joué salope tout simplement en essayant de prendre le penalty et ça a marché. Là directement Koscielny qui relance mal sur Fernandez qui la met pour Diamanti qui échoue face à Petrosic. Encore une fois ultra présent les gars Petrosic. Je monte tous ses arrêts parce qu'il est vraiment très bon. Là j'ai mis un petit ralenti pour voir que j'ai pas du tout dominé le match, qu'ils m'ont surdominé en pro et pourtant j'ai gagné 1-0. Là on continue avec Everton directement, on perd pas de temps les gars, nous on a 5 matchs à jouer dans cet épisode, donc on y va, hein. on perd pas 12 secondes. Donc là Everton, comme vous voyez j'ai mis en champion, j'ai bien laissé pour que vous puissiez voir que j'ai fait jouer en champion. Donc voilà, là on va essayer de partir et s'imposer face à Everton, ça va pas être facile parce qu'Everton c'est quand même une bonne équipe, surtout que je leur ai vendu Olivier Giroud qui est quand même un bon buteur. Et donc là ça part directement avec Kevin Miralas qui est parti sur le côté, qui laisse Bellerin, et là c'est la tête d'Olivier Giroud bien arrêtée par Petrosic. Encore une fois c'est l'homme de cet épisode. Et peut-être pas, vous verrez. Aaron Lennon qui part directement à la 62e minute de jeu sur le côté. Là, j'arrive pas forcément à le stopper. Gaïa qui se trouve vraiment. Et là, la frappe, elle est belle d'Aaron Lennon parce que Petrosic, qui était mal placé, n'a pu que subir cette frappe. Et donc voilà, ça fait 1-0 pour Everton à la 62e. Aaron Lennon, gros travail d'Aaron Lennon. Voilà, il fait la feinte, elle est bien. Ensuite, on croit qu'il tire, mais pas du tout. Et la frappe, due au mauvais positionnement de Petrosic, on se prend le but. Et là, c'est Olivier Giroud directement qui vient crocheter l'ancien Gunners, qui a envie de se, je sais pas, peut-être de se rassurer, de se dire qu'il était au niveau d'Arsenal. Moi, je ne pense pas. Donc voilà, il fait un centre qui échoue sur Steven Pienaar. Et là, c'est Cazorla qui la met pour Thomas Müller. Et la merveille de passe de Müller pour une merveille de Santi Cazorla, voilà la passe, elle est magique de Thomas Müller, magnifique vraiment, elle est pile dans l'intervalle, et après, bah,
Santi Cazorla face au cage. Il les rate pas, celle-là, on le connaît, Santi. Et donc voilà, regardez-moi bien cette passe qui va passer parfaitement entre les deux défenseurs, même entre les jambes de Haussmann, je crois. Donc voilà, très 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 bien joué. On fait donc match nul 1-1. On s'impose pas forcément, mais c'est vrai que dans le jeu, on n'était pas dominateur. Donc moi, je suis plutôt content de ce résultat. Surtout qu'en champion, je suis pas forcément très très fort. Et là, on a directement un match face à Swansea. Swansea, un match qui, j'espère, va bien se passer. Donc là, directement, on voit que Koscielny se rate. Sigurdsson, la reprise de demi-volée, malheureusement. Pour eux, elle ne rentre pas, moi j'en suis bien heureux. Et là c'est Thomas Müller qui va essayer de la laisser passer entre ses jambes. Thomas Müller qui la aime pour Jack Wilshere. Wilshere la frappe entre les jambes et elle est bien captée par le gardien, bien dégagée. Et là il la capte, même si c'est pas obligatoire. Et donc là ensuite Wilshere qui va bien la mettre pour Gaïa. Gaïa qui va feinter, non même pas, la frappe enroulée. Et le gardien se chie dessus, vraiment 41ème minute de jeu. Il ne peut que subir cette frappe de Gaïa à bout portant. Il la touche mais malheureusement elle était trop forte pour lui. Et donc voilà, Santi Cazorla encore à la manœuvre. Une passe magnifique de Jack Wilshere encore une fois. Et la frappe de Gaïa, on ne sait pas vraiment ce qu'il faisait là. Mais en tout cas ça fait bien plaisir. Donc voilà, on s'impose donc 1-0 pour l'instant. Et donc là Thomas Müller qui l'aime pour Griezmann. Et là regardez-moi ça, regardez-moi cette action. Le passement de jambe qui laisse le défenseur sur place. Deuxième passement de jambe en petit pont, troisième petit pont. La frappe, but magnifique, 2-0. Un des plus beaux buts que j'ai mis dans cette carrière. Ce but là est magnifique avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann on le voit pas souvent marquer, mais quand il marque, il marque. Regardez-moi ça, là je suis tranquillement, là petit pont. Et là, ouf, là deuxième petit pont. La frappe elle est magnifique, le festival d'Antoine Griezmann. Et là c'est Aaron Ramsey qui la met pour Thomas Müller. Le contre-favorable et but. Nous on prend pas la tête. Enfin on se prend pas la tête plutôt. Si on oublie des mots ça ne veut plus rien dire. Et donc voilà, 64ème minute de jeu. On gagne déjà 3-0 face à Swansea en pro. Donc voilà, là on s'est plus posé de questions. On a fait un mauvais résultat face à Everton. Fallait qu'on se rattrape. Et donc là on le fait de la meilleure des manières avec Thomas Müller. Encore une fois Aaron Ramsey qui la met pour Santi Cazorla, le métronome de cette équipe. Et là elle est magnifiquement mise pour Ramsey qui n'a plus qu'à ajuster un petit plat du pied. Très roleplay ce plat du pied je trouve. 4-0, voilà, 76ème minute de jeu. C'est ce qu'on veut voir quand on fait voir et quand on fait jouer Everton. C'est un très beau plat du pied, tout ce qu'il y a de plus facile avec Santi Cazorla. Voilà, Santi qui la met une merveille de passe comme d'habitude. Enfin, il y a surtout la vision de jeu pour lui mettre. Et voilà, donc on s'impose donc 4-0. Là encore une fois, Ayou, non, c'est Eder qui s'est échappé. Malheureusement pour eux, Petrosic est encore présent, même quand on gagne 4-0. Le gars se relâche pas. Et donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Il est un peu court, mais qu'est-ce que tu veux, on fait ce qu'on peut. En tout cas j'ai essayé de vous mettre 4 matchs. C'est sympathique. Un épisode un peu court. Donc on est toujours premier. On a toujours pas perdu les gars. Donc on s'accroche. Encore une fois, là on voit là, quelques petits mails par-ci par-là, des mails vraiment pas intéressants. On va aller voir. Comme vous voyez, classement, on a 29 points. On a 5 points d'avance sur le deuxième. Et au niveau du classement des buteurs, on a donc Christian Benteke avec 6 buts. Et nous derrière on a Ramsey et Müller avec 5 buts. Et au niveau des passes décisives, on a vraiment de très bons passeurs avec Cazorla, Ramsey et Müller. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à poser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Au prochain épisode, c'est Tottenham, les gars. 4 épisodes. Voilà, donc j'ai calculé que normalement, la série sera terminée à l'épisode 12. Donc voilà, si tout se passe bien. Après, on continuera bien sûr saison 2, saison 3, etc. Les gars, vous verrez comment tout ça s'articule. C'était Joe. Bye tout le monde.